Véritable compétition routière réservée aux véhicules 100% électriques et 100% hydrogène, le e-Rally Monte Carlo est une épreuve devenue incontournable auprès des constructeurs et préparateurs automobiles. Ils viennent démontrer ici, en conditions réelles, le potentiel technologique et avant-gardiste de leurs véhicules. Avec 24 modèles représentant 14 constructeurs sur la liste des partants, cette 6e édition atteint un niveau d'engagement sans précédent et s'affirme comme l'épreuve phare du championnat FIA Eco Rally Cup 2022. Avec près de 70 dossiers d'inscription reçus par la CM et seulement 55 voitures admises au départ, cette situation inédite a compliqué la tâche de l'équipe organisatrice. C'est la toute première fois depuis 1995 qu'il faut avoir recours à un comité de sélection, la rançon du succès en quelque sorte. Vu le nombre de demandes qu'on a eues d'inscription, on a dû malheureusement refuser quelques concurrents parce qu'on n'avait pas la place de pouvoir les accueillir à Monaco dans le parc fermé. Pour le e-Rally Monte Carlo, l'Automobile Club de Monaco instaure cette année une toute nouvelle approche concernant les points de charge en électricité. Les parcs de recharge nocturnes laissent ainsi place à des bornes itinérantes journalières. En partenariat avec la société LS Service et la marque Isium, en complément des stations fixes du réseau e-borne présentes tout au long du parcours et de Monaco On en principauté. Ce sera donc un nouveau challenge pour les concurrents qui devront faire preuve d'encore plus de clairvoyance et d'ingéniosité. On essaie de rester dans la tradition de nos épreuves et maintenant que les voitures ont plus d'autonomie, on peut s'éloigner plus des grandes villes, on va dire.